Est-ce que vous avez des exemples spécifiques de films, de cinéastes, de genres qui vous ont amené à l'expérience dont vous parlez? Oui, je voudrais narrer littéralement une sortie de la normalité, du conventionnel, de l'habitude d'exister comme tel au quotidien. Le on vit. Il y a. Je découvrais le miroir, précisément, de Tarkovsky, dans une salle à Paris. Je découvre ce film de Tarkovsky, le miroir. La première vision, réception, est un choc, puisque précisément, soudain, je suis convoqué dans la destruction du récit tel que la télévision et le cinéma et la télévision nous y habituent, hein, l'histoire. Et soudain, il y a eu des percées de vision en soudain. Voir et sentir devenait émouvant pour soi, dans la salle, assis sur ce fauteuil, avec des aides. Soudain, je me suis senti et éprouvant d'être là, être contact avec le perceptif, et autrement que nommable. Je suis resté pendant plusieurs séances, c'était l'époque où encore nous pouvions rester longtemps dans une salle de cinéma. Il me semble que j'ai vu trois, quatre fois, trois fois peut-être le film de suite dans une journée. Et je suis ressorti de la salle, c'était au Saint-André-des-Arts pour le nommer. Il était tard, minuit, dernière séance, j'étais au bout, j'avais tiré au bout. Ivre, ivre, ivre d'exister là, et non pas dans une fiction, moi.